Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Écho des Heures. Aujourd'hui, on aura à parler avec Lolo de Bookman Experience, mais aussi d'une exposition vente et de bien d'autres sujets encore. Mais comme vous le savez, le temps de la pause, on revient dans un instant. Yeah! Samedi Show est de retour sur Télé-Pacifique. Et oui, le show le plus chaud, votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, wow, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branché. Vous le savez aussi bien que moi, la situation socio-politique du pays inquiète plus d'un. Et c'est au tour de Lolo de Bookman Experience de nous envoyer un message de paix, un message de conscientisation et de nous souhaiter un joyeux Noël. Il était au micro de Jimmy Ducasse et de Joseph François justement pour ce noble message. Écoutons-le. Je vous dis Lolo, Banabé. Donc il y a un pile bagage qui vient dans tête mon yo, ouais. Donc très content avec nous aujourd'hui, ouais. Donc c'est on tournée m'a fait lancer maintenant à la presse parce que n'a vivre un moment que il y a parlé nous de violence. Il sorti tout pour ça fait violence de trois monde faire violence sur population. Même trouver bah c'est absurde. Nous trouver que depuis longtemps nous pas doué tomber ou bien continuer dans route ça encore. Nous ne pouvons pas arriver dans le cynique ça. Ça, c'est du cynisme. Nous ne pouvons pas arriver là. Ça, assez. Ouvrez genoux, peuple haïtien. Ouvrez genoux. Gardez à droite, gardez à gauche. Pas garder derrière. Allez pour plus devant. Parce que, nous disons ça, qu'on y a cette tête frette qui est chaud. Pas tête chaud qui est à même ni frette. Il y avait un monde, non, peut-être la frette, en repos calme, mais que à chaud, pour que l'amour la donne, pour que la passion dans sa affaire, pour nous changer le pays. Tandis, pas quitter le monde, mener nous dans tout, nous essayer des bagailles préjugés, d'intérance. Tout bagaille ça, pas rien. Ce qui est important, c'est pour nous faire communauté. Pour la communauté, nous tournons la coup. Et pourtant, joyeux Noël, là, je rencontre à. En plus, musicien, ce matin-là, on a fait nos musiques avec BIC. Nous, on a fait nos musiques tout avec Haïti. Donc, avec un peu l'autre musicien, et ouais, il a commencé peur. C'est ça qui me dit, nous ne pas besoin peur. C'est la peur qui va le faire que même descendre dans crasé. Parce que, on connaît que artiste, ça, puis un peu l'autre monde, magasin, tout ça. Ouais, sous crasé des sommes, donc finalement, non. Ouais. Finavel, parce que c'est l'heure ça pour jouer, on sait le groupe copain surtout, c'est l'heure ça pour jouer, pour la décor. Ouais, donc, moi-même, moi dis, joyeux Noël, nous pas besoin de peur. Ouais, mais moi sûr que, depuis nous voulons, parce que nous connaissons déjà voulu, nous passons belle Noël, c'est sûr. Nous disons belle Noël, et puis, on allait pour plus devant. C'est pas un bagage politique, non? Encore, gens politiques qui a parlé, même gens de monde qui a dit, faisons l'autre politique. Est-ce que pas un autre politique pas qu'à faire? Non, on l'autre bagage net, un bagage neuf, un bagage jeune pour nous porter dans notre pays. Ouais. Donc, nous n'avons pas besoin de peur. Ok? Rien. Aïe, bobo. Quels sont donc les projets de Bookman Experience pour la fin de l'année? Et ses projets futurs pour l'année 2019. Toujours au micro de Jimmy Ducasse et de Joseph François. Bookman, bon, nous campé. Nous perdons deux, trois gigs là. À cause de événements, semaine passée, nous avons joué événements dans la tête, nous surtout, ouais, psychologique que nous avons vécu là. Ouais. Mais en décembre, nous pouvons jouer. Nous avons. On a commencé tout préparer, nous sortir l'album là, mais on a commencé à préparer tout, un nouvel album là. Ouais,
qui vient pour faire là. Et puis, il y a une nouvelle tout théâtre là tout. Nous avons besoin de support même pour nous voulons jouer tout plein guichat. Nous voulons jouer Jacques Mel là, nous voulons jouer plusieurs côtés là pour nous rire, pour nous content ouais pièce en guichatio interprétée par top acteur là. Ou bien nous en forme, nous là, nous je me dis là m'a travaillé avec plusieurs autres monde tout. Ouais. Et puis on va avancer. Ouais, on a préparé tout tournée internationale nous déjà. On a joué New Orleans Jazz Festival, 3, 4, 5 mai. Et on a joué le Festival de Louisiane le 27 avril. Donc nous partis là, nous avons joué New York tout. Un festival qui a préparé lui-même, venu nous. Et puis plusieurs autres côtés pour jouer, même. Ça qui est important, tout pour moi, je ne vais pas jouer l'autre bord. Et puis pour ne pas retourner ici, ça te connaît nous avant. Donc nous toujours. Couper tournée en juillet tout nous capable aller en Europe n'a travail pour juin en tout en Europe probablement peut-être Liverpool encore en Afrique Oye et puis bon font virer n'a prochain en Suède là Danemark un festival qui pour répondre nous donc n'a checké en pile côté dans le monde et puis moi dit surtout artiste surtout m'a parlé avec artiste surtout ouais que j'en ai besoin nous informel ouais j'en ai besoin pour nous formel me saute parler avec Lionel Benjamin qui vous connaissez syndicat des artistes donc m'invite tout le monde pour connaître ça qui a passé pour que nous gagnions de monde qui représente nous. Et ça est important parce que nous l'aguer, l'État pas reconnaître artiste en Haïti. Donc c'est tout bagage ça et puis l'autre petit bagage tout. Même personnellement, nous gagnons pile l'autre petite activité que nous fait m'a écrit tout épisode tout. Ouais. Nous voulons reparaître avec Languichat dans l'épisode tout. Ouais. Bien que il n'y a pas en pile parce que j'ai plusieurs bagages m'a fait, mais bagaille pour faire mon nourri, pour faire changer encore Languichat. Ouais, donc c'est nouveau bagage que nous apparaît tout. Donc il y a une petite activité. Toujours en rapport à la situation du pays et toujours aussi en rapport à la question de migration massive, nous recevons Fridwan, un artiste qui se dit engagé, qui nous présente une toute nouvelle chanson titrée « Nous toutes pas qu'à aller » au micro de Jimmy Ducasse et de Jocelyne François. Nous sommes partis Fridwan Ozelis, nous artiste massif Fridwan. Nous sommes sortis dans la 4e section de Miragouane, à Boiram, 4e section de Miragouane. Moi, j'ai élevé une famille musicale, j'ai déjà pas mal joué musique, par exemple, j'ai un jazz qui était réduit à l'alcool. Moi-même, j'ai commencé à jouer tambour à partir de 8 ans, puis j'ai monté pour deux points. J'ai fait 9e à l'école de musique, j'ai appris à jouer guitare. Et Fridwan, j'ai un premier album qui était lancé en 2016, parce que j'ai découvert l'événement ça. Et le premier album, c'était Frappé Porte. Et nous avons fait des vidéos sur l'album ça déjà, et puis on a continué à faire des vidéos. Et puis, j'ai lancé un projet pour le moment que les nous ne pas qu'à aller. Son musique que je fais avec toute vidéo, côté que m'a sensibilisé la jeunesse, m'a fait pas ici pour monter pays, ça c'est nous-mêmes qui pourrions faire, c'est nous-mêmes qui pourrions bâtir, c'est pas aller nous qui a fait pays à changer, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons ensemble pour nous capables de changer pays. Gardez jeunes femmes, jeunes garçons, à gros danger, qui pour aller. Mais c'est pas ça, y'a des gens me souhaitent. Soleil levé. Soleil couché, y'a toujours sous béton. Qui est-ce qui la cause? Malgré tout ça, y'a tout pas calé. Tout pas calé. On met aller sur YouTube, écrit Fridwan, F-R-E-E-D-O-O-N-E. Et puis, vous pouvez mettre écrit cette musique, nous n'avons pas qu'à aller, si on a jeté longtemps pour qu'on ne va faire chaque jour ce matin, on va jouer tout l'album dans l'état avec toute musique qu'on fait déjà. Vous pouvez suivre nous sur Facebook, sur page Facebook, Twitter, Instagram, c'est Fridwan Ben, c'est F-R-E-E-D-O-O-N-E, et puis Ben, B-A-N-D-E. Ou bien, vous pouvez arrêter nous tous sur 33-96-47-65. 33-96-47-65. Qui est-ce qui va revendiquer copé tout ça? Qui est-ce qui va faire des garçons chauvillons? Qui est-ce qui va boumer pour yon état des droits? Professionnels, étudiants, musiciens, protestants. Tout bagalé.
place maintenant à Tessa Théodore qui nous présente une exposition vente qui se tient du 15 décembre au 27 décembre à Café du Commerce. Pour encore plus de détails, écoutons-la au micro de Jimmy Ducasse et de Jocelyne François. Moi, c'est Tessa Théodore. Moi, c'est artiste peintre. Je suis comédienne, actrice, tout. Elle me fait des designs, tout. Moi, j'ai une exposition là qui est pour faire dans le Café du Commerce le 15 là. L'été que pour te faire déjà depuis le 22 novembre, pour cause pays à situation, tu es obligé de renvoyer. Et là, m'a fait dans le Café du Commerce le 15. L'a commencé le 15, et l'a fini 27. Petite exposition, c'est les 7 couleurs de la lumière. M'invite tout le monde à venir regarder manifestation couleur. Oui, c'est une exposition de vente liée. En tout, il y a près de 35 toiles là-dedans. L'entrée est gratuite. Mais on connaît soit consommer ou consommer en dedans parce que c'est un restaurant lié. Et puis, on achète tableau. La pouvait à 5h et la fermer à 8h30, 9h. On connaît, nous ne pouvons pas trop tard. Je m'attends tout le monde et si tu as besoin de contacter moi, numéro moi c'est 44 49 86 54 33 22 73 76. Ou carré les sur n'importe ou abjoint moi. Merci d'avoir suivi cette toute nouvelle sortie d'Écho des Arts. Restez donc branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.